Dans ce jeu, on a un carré avec les 4 plots jaunes qui doit faire à peu près 5 mètres sur 5 mètres. Et l'objectif, c'est de réussir à sortir son adversaire du carré en poussant, en tirant. On fait ce qu'on veut, mais il faut réussir en fait à sortir l'autre du carré. Donc là, on s'aperçoit que les joueurs, ils essayent au début de pousser, de tirer. Puis au bout d'un moment, ils essayent aussi de jouer sur les appuis en s'écartant au dernier moment, en essayant de changer leur prise et d'essayer de faire en sorte de se servir de la force de l'autre pour pouvoir réussir à le repousser. Et donc là, on est alors en revanche, ça on peut pas le faire en premier exercice, il faut chauffer un petit peu avant. Mais là, on est typiquement sur les attitudes au contact, on est en plein dans le cœur du sujet où les mecs vont être au contact en train de s'opposer et en train d'essayer de passer leurs bras, de se libérer, etc. Et donc là, alors après, il faut essayer de limiter les prises au niveau du cou, mais à partir du moment où il s'attrape comme ça, ben, on est toujours en train d'essayer de se débattre pour réussir à pousser, tirer et sortir l'autre du carré et gagner le petit jeu. Donc exercice même chose, ludique, je pense que pour terminer un échauffement sur les attitudes au contact, après ce moment-là, ils se sont mis en position de mêlée sans que je leur demande. Et donc du coup, en fait, ils essayent de trouver la position la plus adéquate pour passer.